Bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, je reviens du labo, j'ai fait ma prise de sang. Faut clairement que je demande par des infirmières à domicile. Quand est-ce qu'au labo, quand est-ce qu'ils vont nous laisser le temps d'appuyer après qu'on ait fait la. Au lieu de nous virer tout de suite de la salle, là j'étais en train d'appuyer et elle avait déjà appelé le monsieur. Monsieur, attendez dans le courant déjà que je passe. Je comprends pas. Du coup, j'ai rappelé dans ma voiture, mais forcément, ce qui devait arriver arriva. Je monte rapidement, voilà. Là, j'ai posé un truc, je suis plus en train de plier le bras avec d'autres cotons. Mais je comprends pas ça quoi, je veux dire, c'est en plus celle de ça qu'il faut qu'on appuie si on veut pas avoir des matomes et tout, mais non, on nous laisse pas le temps de faire ça. C'est un truc qui m'énerve. Je sais qu'il y a son du monde et tout, mais voilà, je veux dire, bah ça fait partie de la prise en charge des patients quoi, donc, enfin bref. Donc en plus, que moi là, au labo, j'y vais avec ma béquille, donc elle m'a très bien avis avec ma béquille que je tiens à gauche. Donc c'est pire parce qu'après, bah, dès que je sors, en fait, je m'appuie direct sur mon bras pour m'appuyer sur ma béquille. Moi, je m'appuie fort sur ma béquille, trop je tombe. Mais enfin bref. Une bonne chose de fait, du coup, là, j'ai rendez-vous chez gynéco à 12h30. J'ai quasiment pas dormi la nuit, donc je pense que je vais retourner dormir. Donc j'ai pas le choix, on est mercredi, mais j'ai pas le choix. Parce qu'hier soir on a appelé mes parents, hein, comme on fait le soir généralement, et mon père a dit ah bah il a 5 jours sans école et tout, tu veux que je vienne le chercher? Puis moi j'arrive, il est venu le chercher, donc ça m'arrangeait bien parce que tant moi j'aurais dit non si j'avais pas mes rendez-vous aujourd'hui, mais comme j'avais mes rendez-vous aujourd'hui, donc selon quand il y a assez, je sais pas quand est-ce qu'il va être le rendez-vous déterminé, bah je dirais on ira ce week-end où j'irai un peu plus tôt pour revoir mon Jojo parce qu'il me manque. Mais voilà pour les nouvelles. Donc là, je vais partir me reposer hein, parce que je suis assez blanche, on se demande pourquoi. Et voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai mis mes toutes dernières gouttes de détention. C'est vide, je sais pas si ça va fonctionner. Heureusement, je suis bien ce pull. Et du coup, j'ai les bras bien gonflés. J'ai mis un pansement après avoir bien appuyé. Je suis saoulée. Je n'arrive définitivement pas à dormir. Je vais donc aller prendre ma douche, je pense. Ce matin, j'ai juste mis du shampoing sec pour aller au labo et je mettais la vienne dans la jette. Là, je vais prendre ma douche. C'est le bazar autour de moi. Je vais aller Starriette et tout. Starriette, normalement, ça va bien m'endormir. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Et oui, je suis une fan de Starriette SG1 et j'assume complètement. Bon, c'est parti pour la douche. J'ai une de ces têtes, je fais peur à voir. On dirait un fantôme. Bon, douche prise, vous pouvez constater, je suis encore en cuve, je viens de mettre mes lunettes de contention. Là, je vais me manger un petit sandwich, je vous montre ça juste après, devant, comme ça, il est tranquille, parce que je vais partir à 11h45, il est 11h07. Et comme bah, j'ai perdu pas mal de sang, et de sang, pas non plus pas mal, mais moi, je suis très vite faible quand j'ai un peu de sang en moins. Donc, je me suis fait un bon petit encas et ça va me faire du bien, parce que je me dis que si c'est long et qu'il est urgent, la gynéco a souvent du retard, donc puis en plus là comme je vais être toute seule, la gynéco n'est pas adaptée. Il n'y a pas de place à côté, donc je vais devoir prendre ma béquille et peut-être marcher un peu. Je sais pas si je vais réussir parce qu'en ce moment c'est vraiment pas la forme. C'est ça, j'ai même pris mon fauteuil pour mener Joshua à l'école, donc voilà, j'espère que ça va aller. Donc voilà, pour mon petit temps, il y a les tartines de fromage, une banane, un jus de fruits et toutes mes vitamines. Voilà voilà. Bonjour à tous. Donc on recommence après un incident technique. Du coup, on vient dans la suite de cette vidéo, donc il y aura un petit vlog au départ pour vous tenir informé des nouvelles dans notre vie, parce qu'il y a eu pas mal de chamboulements. Donc on va pas tout dire, sachez qu'il y a une partie secrète, on va dire, mais c'est normal, hein. On garde notre vie privée, une partie de notre vie privée, hein. C'est complètement normal, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on expose tout. Hein. Je le rappelle, s'il y a des gens qui croient qu'on monte toute notre vie, mais non, absolument pas. Du coup, tu veux commencer ou je commence? Je sais pas de quoi on va parler, donc bah, on commence. Bah, la maison. Oui, d'accord, mais commence. Du coup, je sais pas ce que tu veux dire. Du coup, notre construction de maison est complètement annulée. Ouais. C'était pas prévu. Est-ce que tu vas raconter comment ça s'est passé ou... Un an de projet de construction pour un an de foirage au niveau de la banque. Voilà. Donc on avait tout, on avait le permis de construire, on avait tout. Tout était lancé, en fait, tout était prêt. On attendait juste la date de début d'ouverture de chantier, en fait, suite... on devait signer avec la banque, quoi. Suite, voilà, la signature avec la banque.
Sauf qu'au final, bah, la banque s'est rendue compte après un an qu'ils sont foirés sur tous leurs calculs. Sauf qu'ils n'assument pas du tout. Et en plus de ne pas assumer, bah, les taux, du coup, ils ont augmenté. Donc forcément, l'augmentation des taux plus leur erreur de calcul depuis le départ, depuis un an, fait que bah, ça ne pèse plus du tout. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà signé une partie. Et On un avait fait une jour, en partie fait, du on a terrain. une première, une dame qui nous appelle, donc qui n'est pas notre conseillère habituelle, qui est très désagréable au téléphone, qui pose plein de questions bizarres à En William. fait, ils Et là, ils ont. n'avaient pas dit franchement au C'est en départ. fait au départ, ils nous ont appelé, mais pour revenir sur un détail du CCMI qui est pour eux, ils n'arrivent pas à expliquer au niveau d'une tarification. Mais en fait, c'était un détail en fait pour pouvoir rendre le dossier caduc et non pas de leur part à eux, mais de la part du constructeur. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont foirés sur leur calcul, ça passait plus du tout. On Sauf pense que c'est ça, ils l'ont que pas dit clairement, mais ils n'ont on pas pense dit que c'est ça. clairement, mais c'est même obligé parce qu'au final, en fait, la somme était dérisoire et en fait, c'était pour savoir, pour pouvoir savoir où est-ce qu'il fallait les mettre. Mais en fait, quand ils nous ont expliqué d'où était leur erreur de calcul, clairement, que le CCMI était bon ou pas, ça changeait rien du tout. Ça passait pas du tout. Voilà. Donc voilà. Et Donc on est passé d'un taux d'endettement de 28% à 45% en 3 l'espace jours. de 3 jours. Ouais, on était super contents, 28% et tout, on était trop contents et tout, tout passait et tout. Et après, du coup, on a remis Du coup, un on a même, appel. et encore à 28%, on avait laissé tous nos devis supplémentaires de travaux qui n'étaient pas censés forcément être au début. On n'avait pas du tout mis autant. Donc on avait dit, bah oui, laissez-les, vu que ça passe à ce point-là, bah, laissez quoi. Sauf qu'au final, bah, on était passé de 28 à 45. Donc clairement, même en enlevant en fait, les travaux supplémentaires, en fait, on restait à 40, 42. Donc voilà. Nous, du coup, la banquière a fait une grosse erreur, sauf que nous, on avait commencé à payer le terrain et tout. Donc là, on est dans la démarche des papiers au niveau Donc du là, notaire, de la mairie, tout ça. on attend d'avoir une attestation de la part de la mairie afin de pouvoir à effectuer une partie du remboursement du terrain, mais pas Ben, on la perd totalité. les frais, Mais de trois choses, Ouais. on perd de trois choses parce que. Voilà pour ça, donc on était dégoûtés, voilà, on est dégoûtés et c'est tous nos projets d'un an qui tombent à l'eau en fait, et la banque était désagréable avec nous parce que c'est vraiment une erreur de leur part. Et ils ont essayé de nous reporter la faute sur nous en plus, donc Ouais, c'est en vraiment nous disant comme quoi ah non mais vous si vous l'avez pas remarqué, bah en fait nous on nous n'est pas on banquier. n'est pas banquier, donc en fait on ne connaît pas comment vous calculez exactement vos taux. Après voilà, nous on savait ce qu'on avait, ce qu'on pouvait payer, mais bah nous ça passait pour nous en fait justement. Sachant que la banque nous a fait racheter notre voiture Oui, en pour disant que que le ça allait crédit passer. passe, ouais. Donc en fait, sauf que le fait qu'on a racheté la voiture qu'on voulait pas garder forcément en plus, bah fait que ça passe pas aussi à cause de ça. Parce que du coup, en fait, leur calcul, il n'avait pas intégré non plus l'histoire de Parce la que moi, mon voiture. leasing, en fait, finissait là en septembre. Donc au final, moi, on aurait très bien pu attendre le final, la fin du leasing et Même repartir sur une après, on voiture moins pouvait très bien chère revendre ou... la voiture, on prend une voiture moins chère, et puis voilà, on n'avait même pas forcément besoin de prendre un prêt, ou même si on aurait pris un prêt, ça aurait été un petit prêt, ça aurait pas été du tout le même prêt, quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, d'où mon absence sur YouTube, parce qu'on avait quand même pas mal de choses à gérer. Est-ce qu'on dit pour la PMA aussi au passage Ouais, ou je t'en prie. du coup on est à notre troisième Troisième. IAC. Donc on verra bien ce que ça donne. Je ne vous dis pas les dates exactes. Là on est dans la période où on ne sait pas. Et voilà, on attend la suite. Hein. Ça va être voilà. Et du coup, pour tout le reste de nos projets et tout, on en parlera beaucoup plus tard. Voilà, on en parlera plus tard. Une Mais chose est sûre, c'est qu'on reste pas dans cet appartement. voilà, et qu'on a très vite rebondi. Voilà. Parce que voilà, de toute manière, l'appartement n'est pas adapté pour moi et tout. C'est ça qu'on a dit à la C'est en banquière fait, et tout. Vous voilà. imaginez la merde dans laquelle nous foutez Le truc, c'est que ça fait un an en fait qu'on est là-dessus. Ça fait un an qu'on reste dans l'appartement là où on est, en sachant qu'on savait qu'on allait construire. Donc, sauf que l'appartement n'est pas adapté. Et du coup, en fait, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va tenir le temps qu'on a la construction, ça va le faire. Il y a juste un an à tenir pour la construction. Et encore, même pas forcément un an, mais voilà. Donc on allait tenir jusque-là. Mais bah, là, du coup, on n'a plus aucune raison de rester là. Bah oui. Sauf que dans le secteur où on habite, clairement, pour avoir quelque chose d'adapté avec le nombre de chambres, bah, juste pour nous et ne serait-ce que Joshua,
Bah en fait c'est pas dans... c'est hors budget quoi De clairement toute manière, donc là pour l'instant, on vous dit pas, mais une fois qu'on bougera, on vous dira la ville où on était, on vous dira la ville où on voulait faire construire, on dira tout ça, parce que de toute ouais. manière, il n'y aura plus aucune raison de voilà. De toute façon, je vous ai toujours dit les villes où j'ai habité, une fois que j'ai déménagé, des villes où j'ai habité. D'ailleurs, je ferai un jour une vidéo pour expliquer tous mes déménagements, ce serait pas mal, parce que là, ça y commence Ouais. à... Putain, là, c'est... Ouais, on en rajoute là, hein. Enfin, bref. Donc voilà, j'espère que, je veux dire, je pense que la vidéo vous a plu, mais c'est pas des bonnes Non. nouvelles. J'espère pas que ça vous a plu, les belles et mauvaises nouvelles quand Non, même. mais ça se peut que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo bonne nouvelle. Voilà, on verra bien. Et donc voilà, donc là pour les projets et tout, je vous en parle rapidement là, parce que du coup la semaine prochaine, on a une semaine super chargée, parce qu'on a la kermesse de Joshua le jour de notre anniversaire de mariage. Donc ça c'est super cool, on a hâte. Le jour aussi des élections. Oui, donc c'est un mettre un dimanche, deux jours très chargé. Et quoi d'autre, ce truc? S'il y a encore un quatrième truc, je crois. Ouais, mais du coup voilà. Et la veille, on invite des copains de Joshua, ses deux meilleurs copains en fait, pour qu'ils puissent. Il a jamais invité de copains à la maison, ça, donc c'était l'occasion. Donc voilà. Pour se finir sur une note positive. Du coup voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que ça vous dirait que William ouvre sa chaîne? Si on est en réflexion là-dessus. Et si vous ça vous dirait, dites-nous des noms des noms de chaîne. Clairement, après, si j'ouvre une chaîne, ça va être moi qui va filmer, ça va être elle qui va faire les prépas vidéo. Donc après, les sujets, ça va être bah, mon boulot, je suis routier, donc ça peut être des vidéos sur la route, bah, sur la route, sur le comment dire, les thèmes du transport. Après, le thème de vie de famille aussi, hein, bien sûr. Hein, Ce sera une chaîne beaucoup plus masculine. voilà, c'est ça. Mais Mais... je ferai pas un truc de mode masculine ou des trucs comme Ah ça. bah, toi la mode. Bah quoi? C'est jamais. Alors aujourd'hui, j'ai un t-shirt Thème rouge, aujourd'hui, coiffure. un t-shirt bleu. Comment faire des chignons sur les cheveux bleus? Ouais. Des man boons. Enfin bref. Donc dites-nous ça, dites-nous des Mais idées, non, même, ça pourrait être c'est drôle. vrai qu'après, je pourrais même faire des vidéos, pour ceux que ça intéresse, surtout par rapport à la maladie de Sonia, des vidéos sur le fait d'être avec une personne en situation de handicap. Même le fait d'avoir été avec une maman solo ou des choses comme ça, ce qui n'est pas forcément évident non plus. Surtout quand l'enfant commence à devenir de plus en plus compliqué. mais Mais... ça peut être donc, ouais, ça peut être bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oh la fatigue. Ouais, autrement, je peux parler, faire des vidéos sur la fatigue, la fatigue, la fatigue. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ah, je m'en souviens. Que c'est vrai que quand tu dis à des personnes que t'es avec une personne en fauteuil et tout, malade, ça étonne toujours et tout. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal d'en parler de comment ça a été au départ et tout, machin. Voilà. Enfin bref, nous dis-nous des idées de nom de chaîne. Donc sachant qu'il s'appelle William. Que le nom de famille, on a le même. Quoi, tu veux pas que je dise ça? Non, j'ai pas dit le contraire. Et puis voilà. Tu veux dire autre chose, ta date de naissance, donc on y est, non, je Non. déconne. Mon numéro de sécurité sociale. Oh, le truc hyper personnel. Le truc à pas lire sur YouTube, tu sais. Pourquoi? Enfin bref. Bref. Bon, bah, on dit à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.